Bonjour à tous, bienvenue ici à Ruons, amis boulistenautes. Et nous en sommes au stade des demi-finales. Donc nous sommes très heureux de vous proposer cette magnifique partie là qui s'annonce entre la fougue hein, des vainqueurs des Masters, Bonetto, Riviera et Fernandez. Et ils seront opposés à la fougue de la jeunesse, Maxime Froment, Romain Zimmermann et Florent Poiret. Voilà, ça vient de démarrer, ça pétarade de tous les côtés, j'espère que ça va durer comme ça toute la partie, parce que c'est vraiment une partie très très intéressante qui s'annonce. Alors, on prend cette première main là qui vient juste de démarrer. Allez, 3 boules à 2 pour l'équipe Bonetto, le point pour l'équipe Bonetto, et c'est le pointeur Maxime Froment qui reprend sans problème. Hein. Il avait quasiment un petit mètre pour le gagner. Michael Bonetto hein, qui a fait carreau hein, de sa première boule. Et ben voilà, deuxième carreau, voilà. C'est comme ça hein, qu'il aime tirer, on sait que c'est un grand perfectionniste. Allez, deux boules à deux. Ouais, magnifique envoi là, de Romain Zimmermann. Cette équipe de jeunes hein, qui a battu en quart de finale, vous l'avez peut-être suivi sur le Facebook Live, Philippe Pietri, Antoine Cano et Kevin Philipson dans une très belle partie. Allez, deuxième tentative pour Jérémy Fernandez qui a juste sauté la première. Là, c'est mieux, c'est frappé. Ah, il va s'en vouloir un petit peu parce que il avait les boules déjà pour faire une très belle main. Hein. Allez, boule de marque pour Romain Zimmermann. Il n'a pas beaucoup de place. Ah, il n'a pas très très bien piqué. Et ça sera un point pour l'équipe Bonetto à l'issue de cette première main. Allez, le temps qui s'est un petit peu couvert cet après-midi à Ruons. Alors on espère hein, qu'on ne sera pas trop embêté par la pluie parce que là on a mis le dispositif un petit peu minimum pour filmer cette partie. Alors ne soyez pas surpris hein, si le but est jeté au-delà de la ficelle puisque les arbitres ont accordé donc deux jeux pour jouer. Vous avez la deuxième demi-finale hein, qui est un petit peu plus à droite dans le carré là. Sario contre Chazelle. Et puis vous avez également les deux demi-finales féminines qui ont démarré en même temps. L'équipe 65 contre la 78 au jeu 29. La 65 contre la 78 au jeu 29. Là, on va, je vais prendre les noms de tout le monde et puis comme ça... pour l'équipe de David Riviera pour cette première main avec un point
Allez, après réflexion, on a décidé d'y retourner. Voilà, c'est manqué double pour Florent Poiret. Allez, on avait pris l'option hein, de tirer sur cette boule qui est environ 50 devant. Alors, soit on opte pour l'option du point, en sachant que la foot peut vraiment tomber à tout moment, soit on va continuer à tirer pour casser du point et éviter la grosse mène. Avec 2 points face à Cindy Perron, Estelle 2. Sébastien Chazel sur le cadre 7 et 8, elle va les compteurs avec un point face à Christophe Sarré. Chazel 1. C'est ça, hein, on avait choisi l'option de tirer pour casser du point. Attention, attention, c'est déjà la quatrième boule qui arrive, alors je crois qu'on va tirer au but. Romain Zimmermann qui va partir au but pour éviter la grosse mène. C'est pas droit. Alors, vous l'avez vu, c'est manqué, c'est juste sauté, mais malheureusement, j'ai bien peur que la mène soit catastrophique hein, pour les jeunes en gris. Ouais, parce que là, c'est quasiment carreau pour 6 points. Et ben voilà, c'est fait, ça sera 6 points. Alors il va falloir jouer les boules bien évidemment, mais là il n'y a aucun doute possible. Même moi je crois que je les aurais mis. Allez, on démarre la troisième main, 7-0. Allez, il va seulement falloir réagir là côté de cette jeune équipe. Qui a vraiment produit un jeu phénoménal ce matin, mais voilà, là qui a un petit peu de mal à rentrer dans sa partie. Je pense que la coupeur de midi, malheureusement, n'a pas été prolifique.
Allez, on va en approcher une petite là pour avoir une boule à défendre. Enfin, il est même capable de le gagner. Hein. Ah, il a envoyé après la zone un peu caillouteuse là, mais ça manque un petit peu de hauteur peut-être. Ah voilà, magnifique ça. Rien de tel pour se remettre en confiance. Un petit recul sur le but là qui améliore vraiment la sauce. Oh là là, magnifique, c'est rendu. Ah, c'est vraiment du grand Bonetto hein, qu'on voit là en ce début de partie. Allez, c'est frappé. Sans le but, donc il conserve l'avantage du point. Sans problème par David Riviera, l'homme qui maintenant regarde un petit peu ses données. Allez, on va changer de tireur, Romain Zimmermann. Oh, c'est le carreau, bah, vraiment il a contré hein, sa boule derrière. Mais il garde le bénéfice du point. Voilà, vous l'avez vu, superbe envoi. Ça, c'est vraiment son point fort à Jérémy Fernandez. Capable vraiment d'envoyer la boule au ciel et de la déposer pratiquement à un endroit précis. Ah, c'est chic et dommage. Un petit peu court. Ah, une mène qui ne va pas être favorable encore à l'équipe Poiret. Et quoi qu'il arrive, Bonetto va encore accentuer son avance. Ouais, c'est court. Un point supplémentaire. 8 à 0 pour Bonetto. Allez, ça a été un petit peu mieux hein, pour les grilles dans cette mène. Et voilà, il a manqué le petit quelque chose là, pour faire la différence. Allez, il faut absolument qu'il marque très très rapidement parce que là, il y a déjà le feu hein, dans la maison. 0-8. Il va falloir marquer ce premier point. Allez, maintenant, un point supplémentaire.
Ouais, David Riviera. Oui, il se pose pas de questions. 42 côtés, c'est parfait, la boule un petit peu piège. Allez, Maxime Froment, c'est pas mal, c'est gagné. Allez, Michael Bonetto. Sort du rond, hein, sur les conseils de son pointeur. Alors, on profite pour faire un petit coucou, un admirateur de Bouliste Note, comme Leblanc, hein, qui nous suit sur YouTube. Voilà, donc on te salue et on te souhaite de passer une bonne après-midi devant la web télé Bouliste Note. Départemental féminin. Au terrain 12, la 31 contre la 19. 31-19. Allez, Froment qui est resté un petit peu court là, donc on va défendre ce point. Après 60 devant. Ah oui, elle joue un petit peu court, David Riviera. Il n'a pas pris assez d'amplitude. Hein. Avec un petit coup de main qu'il a ramené sur la boule. Alors là, il a vraiment, vraiment amélioré le point de ses adversaires. Allez, l'équipe pourrait qui n'a jamais été hein, dans une si bonne position. Au concours départemental de ce matin, l'équipe 60 contre la 45 au jeu 20. La 60 contre la 45 au jeu 20. Ah, carreau, ça va compter. Deux boules encore en main, deux points sur le tapis. Allez, magnifique opportunité là pour les jeunes gris de revenir au score. Allez, ils pourraient en jouant parfaitement bien combler la moitié de leur retard. Allez, il a à peu près 50 cm, donc ça fait un cercle à peu près d'un mètre de diamètre pour les glisser. Allez, sur le cadre 1 et 2, on est à égalité. Ouais, sans problème, c'est la plus belle pour l'instant. Pour vrai, 3 partout. Ah, il va rester court. Allez. Belle mène, hein, malgré tout.
Oui, c'est bien ça. C'est effectivement l'équipe 78 le fils du grand joueur, effectivement, Francilien Despoiret, qui a évolué quelques fois avec Didier Choupin et Michel Loi. Une famille de pétanqueurs, donc. Allez, 4-3 et 4, David Riviera mène 8-3 face à Maxime Fauvent. Riviera, 8-3. Ouais, bien, bien. Je dirais plus. Allez, vous l'avez vu, on a complètement changé de terrain. Puisque, comme je vous l'ai dit, hein, en début de partie, on a la possibilité de jouer sur deux jeux. Hein, donc, on ne l'avait pas encore croisé. Là, c'est fait. Ah, ouais, David Riviera, là, qui est tombé dans la partie qui n'était pas très très propre là du terrain. Il a manqué 50 cm à peu près. Hein. Aïe aïe aïe, ça c'est un petit peu la même. Changement de stratégie, on va partir à l'attaque pour faire jouer l'adversaire un petit peu court. Allez, on a choisi de tirer à nouveau. Ah, on a décidé de tirer au but. Un petit peu court. Celle-là, elle est dans le cirque. Allez, il faut absolument qu'il reste devant là, quitte à être un petit peu court, mais une boule un petit peu pour gêner l'adversaire. Allez, ils ont vraiment fait au mieux là avec ces deux boules de points. Alors, que vont décider l'équipe Poiret? Est-ce qu'on va... Allez, on va... Oui, on a décidé hein, d'en approcher une déjà. Vous le voyez, hein, il y a cette partie-là vraiment qui est très très vilaine au niveau du terrain. Il faut vraiment passer par-dessus. Alors, c'est ce qu'il a fait, mais ça a manqué un petit peu de hauteur.
Alors, c'est frappé. Celle-là, je pense qu'il doit l'avoir explosé. Il est vraiment... C'est difficile de tomber plus près derrière. Alors, deux boules pour Romain Zimmermann. Ah, c'est un petit peu dommage, hein, parce qu'ils avaient vraiment l'occasion encore de mettre leurs doutes sur leurs adversaires et puis de faire des points, hein, pour avancer dans cette partie, pour recoller au score. Pour l'instant, c'est un point. Il reste deux pour augmenter le capital, mais il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Allez, on a chopé l'option du tir. Effectivement, hein, ça permettrait d'avoir tout de suite un mètre de plus pour le rajout de la dernière boule, si ça se passe bien. La boule est un petit peu cachée, mais c'est... Oh, superbe. Oh, quelle courbe. Là, on est à quasi 10 mètres. Ouais. Allez, 3 points supplémentaires à l'issue de cette sixième main. Et notre équipe, hein, Froment Zimmermann Poiret, qui revient bien dans la partie, là, qui n'est plus menée que 6 à 8. Allez, c'est très bien, vous êtes très nombreux à nous suivre sur les différents supports. Vous êtes environ 5000. 6000 même, me dit-on. Voilà, très belle affluence, hein, pour cette demi-finale. Alors, je vous l'ai dit, hein, le temps est un petit peu incertain cet après-midi. On a mis le strict minimum, hein, pour vous faire suivre. Vous le voyez, hein, la table est vide. On est prêt à rentrer le matériel en cas de pluie. Donc, on pourrait être amené à ranger le matériel et à couper la diffusion si les conditions venaient à s'aggraver, parce que c'est bien gris, hein, au-dessus de l'Ardèche. Alors, c'est pas trop ce qui était prévu, même hier, hein, ils annonçaient quand même une journée ensoleillée. Allez, Maxime Froment, là, qui a repris du poil de la bête. On a envoyé le but à 10 mètres et il a embouchonné. Allez, Michael Bonetto qui reste sur 3 échecs consécutifs. Qu'il va falloir aussi remettre la machine en route. Ouh, celle-là n'est pas. Alors, cette fois, il ne s'est pas repris, il est resté dans le rond. Allez, c'est frappé. Alors, ça, c'est mieux qu'un trou. Hein. Ça va permettre la reprise du point. Gaël Bonetto qui a toujours le sourire, qui fasse des carreaux, qui fasse des trous. C'est vraiment un plaisir de le suivre sur le terrain. Alors, que va-t-on décider de faire ? Est-ce qu'on veut essayer d'exploiter l'avantage de boule ? Oui, on va pointer. La boule est pratiquement 60 devant. Donc il y a quand même un petit peu de marge, hein, pour le gagner. Surtout qu'il avait très très bien pointé sa première. Puis vous le voyez, on vous fait suivre à l'écran la deuxième demi-finale. C'est très serré, hein. Par contre, là, ça avance tout doucement. Bravo.
Allez, il en fallait pas moins, mais c'est gagné par Riviera. Allez, Florent Poiret, là, s'il avait la bonne idée de frapper tout de suite d'entrée, il se mettrait vraiment dans de bonnes conditions. Parce qu'il défend un très très joli point, ils sont 4 boules à 2. Alors, est-ce qu'on hésite un petit peu à jouer la boule à gauche ? C'est vrai qu'il ne manquerait pas grand-chose. Allez, on prend le temps de la réflexion. Et effectivement, on va changer, on va pointer. L'équipe 78 est attendue au jeu 25. Au jeu 29. La 78 au jeu 29. Allez, un petit coucou encore à un passionné de la web boulistenote de Saint-Doulchard dans le Cher. On sait qu'il nous suit régulièrement. Roland, bien évidemment. J'espère que tu prends plaisir, hein, comme nous, à suivre cette partie. Il doit manquer un petit tour, ouais, c'est ça. Par contre, il y a peut-être deux boules en second. Alors, 3 boules à 0 pour l'équipe Poiret, le point pour l'équipe Bonetto. Allez, encore une belle opportunité hein, pour les hommes en gris là, de revenir au score. Je vous rappelle, on est quasi à 9 mètres, 9 mètres 50. C'est frappé. Alors, est-ce qu'il a déclassé sa boule derrière ? Apparemment, pas de mal. Au Grand Prix de la ville de Rions, le concours départemental de ce matin, la 27 contre la 28 au jeu 23. La 27 contre la 28. Au jeu 23. Allez, deux boules de rajout pour Romain Zimmermann avec a choisi de jouer vraiment à l'écart, mais là il faut vraiment un petit effet rentrant là pour pouvoir rajouter. On veut pas prendre risque hein, parce que les deux boules qui sont complètement à droite évidemment sont à l'équipe Bonetto, donc il faut absolument jouer à gauche. Allez, un petit point supplémentaire, mais c'est le principal. Il faut marquer encore pour revenir au score. Allez, l'équipe Poiret qui n'est plus menée que 7 à 8 et on va démarrer la 7ème mène. Allez, il faut absolument hein, du côté de l'équipe Bonetto remarquer rapidement là parce que sinon on pourrait se poser des questions.
6m30 là pour ce jeu. On a choisi de jouer très très court, hein, l'équipe Bonetto là. Là, je peux déjà vous annoncer une main d'attaque. Alors tout dépend, hein, tout va dépendre de la première boule. Essayez de garder l'avantage le plus longtemps possible. Voilà, c'est fait. Carreau pour Bonetto. Bien rempli hein, ici à rue 11, le carré est quasi plein. Allez, c'est rendu, Florent Poiret, magnifique, carreau. La 17 contre 42 au jeu 30. Et bien, rebelote. Troisième carreau, par contre la boule est un petit peu plus enfoncée là, hein. Donc vous l'avez vu, le deuxième replay, vous allez voir le replay de Michael Bonetto, la boule là il l'a quasiment enterré. Hop là. Oh, ouais, il est droit mais un petit peu court. Je te l'ai pas dit que j'ai commencé trop fort, quand je commence comme ça, c'est mauvais signe. Au Grand Prix de la Ville d'Orient, l'équipe 35 contre l'équipe 54 au jeu 21. La 35 contre la 54. Allez, c'est frappé, petit palais. Et allez, ça continue. Petit recul là de la part de Jérémy Fernandez. Alors, trois boules pour l'équipe Bonetto. Sans problème pour David de Riviera. L'équipe Riviera qui aurait pu aller tirer pour espérer finir. Allez, faut surtout pas qu'ils prennent un devant de boule. Par contre, avec le devant de boule, ça pourrait quasiment sauver l'équipe Poiret sur cette main. Il restera deux boules derrière. Boule qui n'est pas restée droite. Ah oui, il a mis un petit peu trop de conviction, notre ami Jérémy Fernandez. Et voilà, qui va faire deux. Allez, Bonetto qui recreuse un petit peu l'écart.
à l'issue de cette septième main. Et on joue comme d'habitude très très vite avec l'équipe Bonetto. Pas une équipe hein, qui a l'habitude de prendre le temps de la réflexion. On sait tout de suite ce qu'on va faire, que ce soit au point ou au tir. Alors, il n'a pas fait de place, enfin, il n'a pas fait passer, mais il a fait un petit peu de place. Et puis vous l'avez vu à l'écran, hein, cette équipe de jeunes pétanqueurs qui est sponsorisée par JFA Sport Events. Cette équipe qui est managée hein, par Jonathan Faribault, le tout nouveau Corse là, qui coule des jours tranquilles. Hein. Alors c'est pas pour la retraite encore, mais en Corse, hein, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, je crois. Hein, un petit peu de sieste le matin, un petit peu de sieste l'après-midi, un petit peu de sieste le soir, et puis la plage entre les deux. Donc voilà, on lui fait un petit coucou à Jonathan. Il a ses petits prodiges là qui sont sur le terrain en demi-finale à Ruons. Et qui pour l'instant ont un comportement exemplaire, mais ça on n'en doutait pas un seul instant. Allez, reprise qui ne devrait pas poser de problème pour Romain Zimmermann. Le tout, c'est de le faire beau pour faire tirer. Au Grand Prix de la Ville de Rion, l'équipe 67 contre l'équipe 1. Ça, c'est fait. Au jeu 31. La 67 contre la 1 au jeu 31. Et ah, Jérémy Fernandez qui est inhabituellement un petit peu en dessous de son niveau habituel. Sario qui mène 6 points
Oui, bah oui, non, non, mais. Ça tient, mais c'est pas beau hein, pour l'instant de l'autre côté. Alors, c'est pas gagné hein, pour l'équipe d'Aviara, donc on va tirer. Ah, alors, c'est poussé, mais la boule va encore compter, hein, donc on va. Attention. Allez, là, c'est une boule extrêmement importante, là, dans cette presque fin de partie. C'est la chance de frapper tout de suite avec le petit bonus du cadré. Alors, c'est frappé. Alors, on va attendre confirmation. A priori, c'est 2 points supplémentaires. Voilà, c'est confirmé. L'équipe Poiret qui revient à un nouveau score. Alors, attention, hein, rien n'est fait. Lâche pas le morceau. Deux points supplémentaires pour le skip de Maxime Froment sur le cadre 3 et 4. Rivera mène 19. Allez, Maxime Froment qui a pas profité hein, pour un petit peu mettre la pression là sur Michael Bonetto. Vous l'avez vu, qui est un petit peu long sur son premier appoint. Et David Riviera qui prend la place tout de suite un petit peu en contre. L'équipe 78, Denis Chambon, est attendue sur le jeu 29 avant disqualification. Alors, on n'était pas tous d'accord hein, dans l'équipe finalement. Je crois que c'est Romain Zimmermann hein, qui l'a emporté et qui a convaincu son partenaire d'aller tirer. C'est frappé, magnifique.
au Grand Prix de la ville de Rions, l'équipe 37 contre l'équipe 66 au jeu 24. La 37 contre la 66 au jeu 24. Ouais, Florent Poiret, lui, il suit le rythme hein, au tir. 2 sur 2 dans cette main. Alors, on a pris l'option hein, de défendre ce point qui est quand même 90 derrière. On estime qu'il peut peut-être se perdre une fois. Ouais, Jérémy Fernaz, il n'a pas pris de risque. Hein. Il a envoyé juste avant la zone caillouteuse. Il a fait glisser tranquillement. Il n'a pas cherché à le faire spécialement beau, mais il fallait impérativement le gagner. Contre 51 au jeu 27. La 95 contre la 51 au jeu 27. Ça, c'est pas très bon hein, pour les affaires de l'équipe Poiret. Allez, c'est deux boules de gagne pour. Enfin, deux points à mettre hein, pour la gagne pour Moneto. Ah, qui a voulu s'inspirer un petit peu de Jérémy Fernandez et qui est resté vraiment court. Marmon, hein, il aurait voulu envoyer. Voilà. Allez, tous les jokers sont épuisés pour l'équipe Poiret. 9 à 12 à l'issue de cette 9e main. Et on va bientôt atteindre l'heure de jeu. Allez, rien n'est dit hein, dans cette partie parce que après avoir été vraiment malmené, l'équipe Poiret, on pensait qu'ils allaient être mangés tout cru et puis finalement, on va démarrer la 10e main et ne sont menés que 9 à 12, donc vraiment rien n'est fait. Estève,
L'équipe 78 du Grand Prix de la ville d'Orléans, dernier appel avant disqualification, la 78. Allez, entrée parfaite pour David Riviera. 7 et 8, l'équipe de Chazelle mène 7 à 6 face à Sarajevo. Chazelle 7-6. Ah, il n'a pas tremblé, Florent Poiret. D'entrée, c'est carreau. Ouais, c'est quasi la réponse, hein, du berger à la bergère. Petit palais pour Michael Bonetto. Alors, il y a un petit peu plus de place hein, que la première boule pointée par David Riviera. Donc, a priori. Eh ben non, on va continuer au tir. Hein. Non, c'est bien, on joue le jeu. On pourrait être un petit peu sur la descentive, mais non. Alors on sait que le moindre échec peut être fatal, mais on préfère chasser que être chassé. Aïe, petite casquette. C'est dommage, hein, parce que je pense que vraiment Durand, il a dû voir autre chose. L'équipe 65 contre l'équipe 18 au jeu 22. La 65 contre la 18 au jeu 22. Allez, petit recul de Michael Bonetto. Allez, ça change pas grand chose hein, parce que les deux boules sont à peu près égale distance donc. De toute façon, il faut le. Ah, je crois qu'on va tirer au but. Ah ouais, on sent que la main est mal engagée. Allez, Romain Zimmermann, il a deux boules hein, pour le mettre aux planches. C'est bien droit, mais un petit peu haut. Allez, il avait la première pour se régler. Qui gêne la restauration, le trafic DC 433 TX, il est dans l'Isère. Il faut absolument enlever ce véhicule, s'il vous plaît. Allez, dernière cartouche pour Romain Zimmermann. C'est quasiment manqué perdu. Ça c'est mieux. Et c'est fait. Bravo. Ah, il s'en est fallu de quelques centimètres, mais c'est frappé. Dans cette nouvelle mène, voilà 12 à 9. Allez, les gris ne sont pas morts. Allez, ces petits jeunes là qui ne lâchent rien. On sent la patte de Jonathan Faribault là-dessous, évidemment.
Allez, vous avez vu une petite remarque de l'arbitre hein, qui est allé. David de Riviera qui voulait poser le cercle à l'endroit où il était sorti, mais vu que le but a été marqué, eh bien on se place à l'endroit où il était précédemment avant d'être sorti. Allez, ça démarre fort encore dans cette main. Belle à point de Riviera, c'est frappé. Par Florent Poiret. Allez, on a choisi de jouer court. Et bien David Rivera qui a fait le taf encore dans cette main. Ah, c'est chic, hein. Comme la deuxième tout à l'heure dans la main précédente. Ah, ça fait deux mains hein, qu'il n'arrive pas à enchaîner les deux frappes. Alors, c'est, je le disais, hein, chaque fois c'est mieux qu'un trou parce que ça va permettre la reprise un peu plus facilement. Donc là, le scénario est simple, hein, on va pointer. Et puis si on prend carreau, et ben, on retournera au but. Et voilà, c'est fait, carreau. Donc voilà, maintenant ce que je vous ai annoncé va se produire, on va partir au but. On aura à nouveau deux cartouches hein, pour le sortir. Alors là, il a du chemin à faire parce que il est guère plus loin que la moitié du terrain. Donc il va vraiment falloir tomber dessus. Allez, deux cartouches pour Romain Zimmermann. Ouh, je pense qu'il a dû y voir mieux. C'est vraiment juste sauté. Allez, on garde le sourire du côté de l'équipe JFA Sport Events. Allez, dernière cartouche. Il a été... C'est fait. Magnifique. Deuxième frappe de Raymond Zimmermann, oh là là, qui fait lever la foule hein, ici à Ruyons. Deuxième frappe consécutive pour annuler la main. Eh bien, ils sont toujours là. Allez, ça monte en intensité hein, dans cette partie. Il avait pris son temps, il avait vraiment pris le temps de la concentration. Et c'est fait. Allez, il y a du suspense et ça monte. Hein, téléspectateurs, vous êtes bientôt 8000 à nous suivre. Allez, bah les mains hein, qui sont identiques.
un bel appoint de David Riviera. Et puis Florent Poiret qui doit y aller tout de suite. Et qui frappe de sa première, une fois de plus, avec un petit carreau. Voilà, pas de pression, hein, ces petits jeunes là, vraiment. L'équipe qui fait plaisir à voir. Qui n'est pas là par hasard, c'est sûr. Il nous le confirme. Ah, c'est chicoté hein, pour Michael Bonetto. Ah, je vous le rappelle, l'équipe Poiret qui a sorti en quart de finale Philippe Pietri, Antoine Cano et Kevin Philipson au terme d'une magnifique partie. Eh oui, effectivement, hein, le niveau s'élève, les petits jeunes qui ne lâchent rien. On les voyait manger tout cru hein, en début de partie et puis ils sont toujours là. Alors certes, ils sont derrière au score, ils n'ont plus le droit à l'erreur, mais ils sont toujours là. Défendre leur chance jusqu'au bout. Et le but va sortir malheureusement, involontairement. Donc on va arriver à la 13e main. Ouais, partie effectivement qui monte en intensité. Hein. Non mais je sais bien, on va pas... Maxime Froment, ça fait quelques temps qu'il s'était pas un petit peu égaré. Alors la boule n'est pas nulle part, mais c'est vrai que c'est pas une très très belle boule à défendre. Hein. Je pense qu'on va y aller quand même pour faire jouer l'adversaire. Allez, ça serait pas mal, hein. Un petit carreau là pour les remettre un petit peu dans la main parce que là ils sont en retard. Aïe aïe aïe, t'es peut-être un petit peu gourmand, et oui, il l'a cherché évidemment, c'est sauté au fil. Et ben, il va falloir y retourner hein, pour une troisième fois. Il est tombé au pied de la boule. Je sais pas si on peut tomber plus près devant un but. Ah, la boule elle est un peu topée hein, parce qu'on est dans la partie un peu caillouteuse là, donc
Allez, c'est dernière cartouche. Est-ce qu'il va faire l'exploit de le sortir une troisième fois, comme l'avait fait Joe Casal hein, la semaine dernière à Chalon-sur-Saône. Et ben c'est fait. Ah ouais, il est sorti. Oh là là, quel phénomène vraiment dans cette partie. Oh là 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 là, Romain Zimmermann. Sortie du rond. Ah, lui dit quand il pose sa boule sur le terrain, ça, il pourrait avoir un carton. Il l'a pas mis là parce qu'il n'a pas droit de la poser. Ce ne serait pas une boule jouée parce que la boule jouée, il faudrait qu'elle soit jouée du cercle. Mais il pourrait prendre un carton. Voilà, c'est un petit rappel. Vous voilà. Alors vous l'avez vu peut-être à l'écran, un petit rappel de l'arbitre qui est allé dire à Romain Zimmermann qu'il n'avait pas à poser sa boule hein, quand il a montré l'impact de sa frappe au but, il a posé la boule devant le but pour dire bah c'est pas possible d'être tombé aussi près, mais ça c'est absolument interdit et il aurait pu prendre un carton. Voilà la petite explication de la remarque de l'arbitre. Allez, bah, Demen qui démarre une nouvelle fois de la même façon. Un bel appoint de Riviera et une frappe. Ah, la boule s'est bien donnée, elle est tombée un petit peu court, mais ça compte. Petit palais allongé sur le but. Ouais, c'est encore chic, hein, le roi de la casquette. Quel bonnetto. Au Grand Prix de la Ligue de Lyon, la 94 contre la 57 au jeu 29. 94 contre 57 au jeu 29. Ah, cette deuxième, hein, il a vraiment des difficultés. Ah, c'est dommage. Alors, soit on va faire tirer le pointeur pour que Romain Zimmermann garde deux boules au but si ça se passe mal. À mon avis, c'est ce qu'on va faire. Hein. Voilà. Allez, Maxime Froment, lui qui n'a pas tiré de la partie, donc on lui demande pas le plus simple, mais il est capable, c'est sûr. Ouais, c'est juste pas droit. Eh ben allez, on va y retourner. Il va avoir encore deux boules, Romain Zimmermann. Alors, est-ce qu'il va égaler hein, les frappes de Joe Casal hein, la semaine dernière à Chalon, qui avait sorti le but quatre fois de suite. Allez, c'est tout ce qu'on lui souhaite hein, pour continuer dans cette partie. Allez, il lui a toujours fallu la deuxième jusqu'à présent. Alors vous voyez, c'est très très serré hein, dans la deuxième demi-finale. Chaque équipe passe l'une devant l'autre et puis on est même à 8 à 8 actuellement. Alors c'est sauté, donc ses partenaires ne s'affolent pas hein, parce qu'il l'a tapé trois fois de suite de la deuxième. Donc il n'est jamais tombé très très loin quand il l'a manqué, mais allez, je crois que là il va faire lever le public hein, s'il a le bonheur de frapper. Allez, il faut y mettre une bonne pêche là pour l'envoyer aux planches.
Oula là là là, ouais, alors il peut, ouais. Il peut se gratter la tête là parce que une fois devant, une fois derrière. Je crois que là, ça sent la. Je crois que ça sent la fin là. Ah, vous voyez, une partie qui se déroule vraiment dans un très bon esprit. On n'en doutait pas, hein, de toute façon, au vu des deux équipes. Maxime Froment, là, il va tenter de faire un petit carreau. Et ben voilà, c'est fait. Baroud d'honneur, mais malheureusement, ça va se terminer là. Alors, petit sourcil pour les gris. Et ben voilà, c'est fait. Jérémy Fernandez hein, qui termine cette partie à l'issue d'une très très belle partie hein, qui vous a été proposée ici en direct de Ruons. Un départ en demi-teinte hein, de l'équipe Pourey qui a été rapidement menée. On pensait qu'ils allaient être mangés un petit peu tout cru. Et puis on a baissé un petit peu de régime du côté de l'équipe Bonetto. On a repris des forces de l'équipe de Pourey. On est revenu. On a failli même passer devant un moment dans la partie. Et puis après il y a eu la série de tirs au but là, de Romain Zimmermann qui a retardé l'échéance. Trois mènes consécutives qui a échoué à la quatrième. Et puis ça se termine. Hein. 13 à 9 pour l'équipe Bonetto qui se qualifie pour la finale. Vraiment une très très belle équipe. On vous donne rendez-vous donc pour la finale hein, aux environs de, on va dire peut-être aux environs de 16h30, 16h45 parce qu'il y a, ouais, il y a encore une demi-homme et une demi-femme qui ne sont pas finies, donc restez connectés, on vous indiquera dès qu'on le sait sur le forum les horaires des finales. On vous remercie de nous avoir suivis, vous avez été très très nombreux et on vous dit à bientôt sur Boulistenaute. Merci.